Trop peur là. Peur de quoi? Ah, de tirer. Ah, t'es une chauchotte, meuf. Ah, c'est où les petits trucs là pour mettre du baume à lèvres là? Quoi? Les petits trucs de huile. Au fait les gars, je vous donne un peu des nouvelles de mon vide dressing. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai lancé un vide dressing de mes vêtements il y a 3 semaines. Il y avait tellement de monde sur le site que ça a fait bugger le site et personne n'a pu avoir accès. Du coup on l'a relancé il y a 2 semaines, pareil, le site a crashé. Mais il y a quelques personnes qui ont pu commander quand même des trucs, mais tout le monde n'avait pas accès, enfin bref. Et du coup là depuis 1 semaine et demie, le site est fermé au public, il est en maintenance et on bosse en interne pour le réparer au mieux et pour que quand on le relance, il ne bug plus. Parce que bon, on va pas faire bugger tout le temps. Du coup voilà, depuis 1 semaine on règle tout ça et aujourd'hui c'est bon, on a la validation que c'est ok pour le jour du lancement, on va pas y avoir de bug vraiment, ça a été une galère, je vous raconte pas, mais voilà, normalement tout est réglé. Du coup quand est-ce que va sortir le vide dressing? Le vide dressing sera donc ouvert officiellement demain entre 18 et 19h. Je préfère pas vous donner une heure précise parce que j'ai peur qu'il y ait trop de personnes au même moment pile sur le site et que du coup ça refasse tout cracher, même si normalement il y a très peu de chances que ça fasse ça. Mais on sait jamais, mon karma est pourri, je vous rappelle. Donc demain, entre 18 et 19h, le site ouvrira et vous pourrez acheter mes articles. Il en reste un peu moins de 200. Parce qu'il y en a déjà qui sont partis la dernière fois. Et voilà. Et aussi, je tenais à vous rappeler que moi, je ne touche absolument 0 euro sur la vente de mes vêtements. Vraiment, j'ai décidé de recevoir aucun sou pour ça. Je donne toutes mes parts, tout ce qui est censé me revenir, je donne tout à l'association AIDA. Parce que ça me tient à cœur et que je me vois pas faire. Pour ceux qui connaissent pas cette association, je vous en parlerai bientôt. Mais en gros, c'est une association qui soutient les jeunes touchés par un cancer. Donc bah voilà, je suis trop contente de pouvoir faire un don. Bien sûr, je vous dirai à la fin du vide dressing combien on aura pu récolter. Je vous tiendrai au courant en attendant, rendez-vous demain entre 18 et 19 sur le site by Sandelia pour acheter mes vêtements. Voilà.